protecteur. Vas-y, bismillah. Wow. Et maintenant, les femmes, elles savent pas trop cuisiner, c'est plutôt les hommes. Wesh, mon pote, avant que la vidéo commence, mets un like et abonne-toi, faut pas le crevard. Toi, tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu veux que je descende? Tu parles à moi, là? Hé, hey, je vais te mettre... Tu veux que je descende? Je vais te mettre ma patate bazooka, tu vois? Eh non, y a personne. Je vous ai bien arnaqué à la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 24h. XXL VS Petit. Petit, j'aime pas comme Yacine, Omar et tout, ils sont tous en train de dormir. Je suis venu tout seul acheter quelques trucs pour le 24h. Ils sont tous en train de dormir. Tous ceux qui regardent la vidéo, ne vous levez plus à 13h. Ça y est, le ramadan, c'est fini. Levez-vous à 9h, 8h, 10h. À la tempête, non, en fait, dormez. Oh là, dormez, c'est mieux. Dormez jusqu'à 14h même. Oh là là. Regardez, j'ai trouvé des mini pastèques et des maxi bananes. Regardez les bananes, comment elles sont grosses. Monsieur, vous me conseillez quoi? Les Agendas Mini ou les Magnum Mini? Toblerone. Toblerone, mais sous. Alors, Toblerone, c'est pas mal. Ouais. Mais alors, ça, Spéculoos. Parce que bon, vous connaissez le biscuit. Okay. Là, ils ont fait un Skibo, j'ai découvert ça l'autre jour. Ouais, ça, c'est pas mal. Allez, on prend ça direct. Merci, monsieur. Bon, les gars, la glace, elle est pas dans le challenge. Mais vu que c'est le monsieur qui m'a conseillé, il m'a dit, vous allez péter un plomb, c'est super bon. On va goûter les chèques. Ça y est, on vient de finir les courses. J'ai payé 200 euros. Non, ça, j'ai fait les courses pour toute la famille. C'est pas de l'argent gaspillé. C'est pas comme si j'avais acheté un truc qui sert à rien. T'as vu, tout le monde va en manger. Et puis, merde, désolé pour le gros mot. On va tous mourir et l'argent, ça sert à quoi dans ta tombe? Regardez ce que j'ai trouvé au magasin. T'es mal à la différence de taille. Comment t'avais pour trouver ça? T'as été où? J'étais au magasin. Et vas-y, on va l'ouvrir. Il y en a qui disent que les bananes, ça s'ouvre par là. Ils disent pas n'importe quoi. De quoi? Ils disent les bananes, ça s'ouvre par là. Ah, donc du coup, les bouteilles d'eau, ça s'ouvre par là aussi, les gars. On fait un trou et on boit. Ça s'ouvre par là, les bananes. Merde. Comme ça, hop. Et vas-y, faut qu'on la mette dedans. On l'écrase. Écrase-la à la mort. Oh là là, je vais me salir les mains. Écrase-la à la mort. Écrase-la à la mort. Ça va faire un bête de pancake, vous allez voir. Mini pancake, il est tout mignon. VS. La grosse casserole pour le max. C'est quoi cette casserole là? Casserole de Hellef. On va ajouter. Oh. Eh les gars, ça va être un maxi pancake. Ça va être incroyable. Une casserole de Hellef. Oh purée, les gars. Oh purée. C'est un Hobbs, un pain rond. Regardez, c'est un pain rond. Est-ce que ça va cramer? Non. On va bien étaler par toute la gare. Ah, ça brûle! Maman! Ah, ah, ah. La place de la femme, c'est où? Qui sait faire ça? Même les femmes, elles savent pas faire ça. Un Hobbs. T'as pas remarqué? T'as pas remarqué maintenant, les femmes, elles savent pas trop cuisiner, c'est plutôt les hommes. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Tu vas te faire claquer, toi. Non. Petit déjeuner. Enfin, petit déjeuner. Je suis un ouf, moi, petit déjeuner. Dis-moi, y a quoi? Mini pancake. Bon, ça, bismillah. Y a plus rien. J'aime pas manger mini. Je préfère manger babaise. Je ressens même pas le goût. VS le maxi thème, frère. Regardez ma tête par rapport au pancake. Oh là. Mais comment on va le manger, poteau? Déjà, on va mettre des petits sirops. Comme ça. Les ustensiles, mon pote. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Je suis un gros porc, mais pas à ce point-là quand même. What? Eh, c'est une pizza. On va la goûter. Eh, c'est trop bon. C'est hyper bon. What the fuck. Hyper cute, ça donne envie de mettre des hyper cute. J'ai aussi le petit jus. Le petit jus, comme il fait le mec sur Snap. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Les petits jus. Petit yop. Et ça, hey, j'ai trouvé ça au magasin, je suis obligé de l'acheter. Les mini yaourts d'Anonino. Regardez ce qu'il fait, lui. C'est un massage. Eh, hey, tu sais que tu vas chier, là. Il l'a mis à la vitesse 20, c'est taré, regarde des vidéos, il se fait un massage. Mais fais-le dans le dos, les jambes. Hein dans le non, dos, moi je me suis mis comme ça tout à l'heure. Vitesse 20 dans le ventre. Est-ce que t'arrives à subir? Mais toi, tu mets elle est un de ces gros billes. Moi, dès que je le fais, ça me fait des sensations, ça fait grave mal. Viens, on va essayer. Vas-y. Oh arrête. Et toi, fais-le toi. Regardez, mais ça lui fait rien. Mais comment ça te fait rien? C'est marrant, t'as un coussin protecteur. Il y a Issa qui vient de rejoindre de la chaîne Les Inx. Donc tu nous prépares quoi pour ce midi là, pour les repas mini? Viens avec moi. Arrête. Je te montre. Donc là déjà on a préparé la viande avec une petite sauce 4% parce qu'on fait attention. Aïe. Et je vois des petits mini tacos les frères. Voilà, tu manges que mini frérot. C'est incroyable. On va faire repas mini et dessert maxi. Voilà. Et après on a quoi? Est-ce que dis-moi qu'il y a des... Oh là là, des mini frites les frères. Des mini. Oh, attention, cuite à la vapeur. Pommes de terre, tac, plus des légumes. Ça, c'est un bon. Oh le mytho.
Il a appelé ça des. Il a osé appeler ça des endives. Des radis. C'est des radis, frère. Ça, c'est. Vas-y, je te les mets, tu veux pas les manger. Pour la bonne conscience. T'as pris quoi, frère? Alors, j'ai pris quoi? Bon, des frites. Peut-être visuellement, c'est plus moche. Mais parce qu'il a fait le malin, il a pris une assiette, nanana. Mais wallah, je suis prêt à jurer wallah que le mien est meilleur. Il a juré wallah. Donc, moi, c'est classique, mini frites, viande. Les tacos, je les laisse bien au chaud pour qu'ils restent bien au chaud. Est-ce que tu peux m'expliquer juste, il y a quoi à l'intérieur? Viande au curry, frites, fromage, salade. Et toi? Pareil. Pareil. Voilà. Sans la salade. Et j'ai trouvé les règles des mini carottes. C'est un truc de ouf pour la vidéo, ça passe crème. Et les radis, non, les radis, c'est la taille normale. Ah, mais toi, c'est vrai, c'est que mini, j'avais zappé. Et ouais, et le dessert, on fera en maxi. Je t'en propose une. Non. Pour la qualité de la vidéo. Il déteste les légumes. Il a croqué, oh là, ça fait cric. Je vais t'apprendre un truc aujourd'hui. Dans une carotte, t'as assez de vitamines pour 3 jours. C'est dégueulasse. On va. Moi, j'aime bien, mais lui, il dit que c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, les chai? La bonne petite sauce, curry. Au fond, t'aimes pas. Hein? Pas possible d'aimer ça. T'aimes pas? Mais en fait, faut pas les habitudes. Putain, il y en a plus. T'en veux un peu? Non, j'aime pas le curry. Ok, bro. Et bien sûr, les chai, toujours le jus et l'eau. Moi, j'aime bien trop. Goûte mes frites. Enfin, tes frites, je suis un ouf. Elles sont bonnes. Non, il est fort. Et franchement, elles sont très très bien cuites. Moi, j'aime bien quand c'est grillé comme ça, là. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mais franchement... Mais par contre, j'ai un truc à dire avec ces tacos. Je les mangerai pas tous les jours, hein, parce que moi, ça va me caler juste 5 minutes. Hein. Je les ai bien laissés au chaud. Et par contre, dites vraiment que les miens, c'est les meilleurs. Regardez comment ils sont cuits par rapport à lui. La cuisson tacos. Moi, j'ai fait exprès. Bon, allez, on va taper. Tu parles, on encroche, mais tout. Vas-y. Bismillah. Wouah. Ah, les gars, le dessert pour une seule personne, le tiramisu XXL, il est vraiment balèze. Regardez ça. Il fait pratiquement tout mon bras. Donc, à l'intérieur, on va rajouter cette garniture. C'est des Milka d'un. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est incroyable. Il y a différents types de Kinder. Moi, mon préféré, c'est le Kinder White fondant. Oh, regarde-moi ça, Myriam. Il est bien fondant. J'espère que c'est bien. Oh, le dent, il est incroyable. Pose avec Yacine. J'ai vu un TikTok. Dis-moi si c'est de la douille ou pas. Et d'accord. Il ouvre la bouche. C'est de la grosse douille. Tu penses? C'est de la douille? C'est de la grosse douille. Viens, on essaye. Viens, on essaye. On va gaspiller un œuf. Non, on va pas gaspiller. Je vais t'expliquer pourquoi on essaye. Vas-y. Bon, c'est parti, les gars. J'ai pris ça comme ça. Je vais réutiliser l'œuf s'il se casse. Donc, vas-y. Mets bien le spray. Et le mec sur TikTok, hey frérot, tu m'as fait gueuler comment t'as ouvert ta bouche. Mais ils en partout. Ah, ok. C'est bon. Oh, t'es massant. Oh, un œuf qui sent bon. Tu fais quoi après là? Et là, tu. C'est un mytho. Marley, c'est un mytho. C'est un gros menteur. C'est ça que j'aime pas dans TikTok. Sale menteur, va menteur. C'est ça que j'aime pas dans TikTok. Regarde à cause de toi ce que je suis obligé de faire. Ah, du coup, tu as mangé. Attendez. Ah, du coup, tu as tapé fort. Hein? Je vais prendre. Tu n'as pas tapé fort. T'as tapé fort là. Non. Issa, il est sur son Instagram. Fais-nous voir un petit peu là, comme ça tout le monde va s'abonner. Il est là. Rapproche-le de la caméra parce que l'on voit rien. Issa LZ tiré du bas. Ouais, moi je vous parlerai du mien dans quelques instants. Issa, j'étais au magasin. Dis-moi. Et il y a un papa ou je sais pas, un papy, il m'a dit que ces glaces étaient exceptionnelles pour dessert du soir. Et je te laisse te lever et te prendre dans le congélateur. Parce que t'as vu, moi les gens, j'ai une réputation que je dis que tout est bon. Tu vois, même si c'est pas bon, je dis que c'est bon. Ouvre en bas. Je crois que je l'ai caché pour pas que mes parents y trouvent. Je crois que c'est la porte à droite. Je l'ai bien. Ouais, la tour. Voilà, c'est le premier. Ça va? Ouais. Non, c'est pas ça, c'est le grand paquet. Il est déjà ouvert. Papa, il a déjà. Papa, t'es trop fort. Il est trop fort. Un menteur, c'est toi. Non, c'est pas moi. Donc, c'est du spéculoos. Et pendant que tu vas goûter, tu vas nous dire ton ressenti. J'avais une question. Pourquoi il ça quand on mange des glaces? T'as vu, quand tu manges, ça va dans ta bouche, après ça descend dans ton ventre. Mais pourquoi ça fait mal au cerveau? Le froid. Ouais, wow, regardez. Attends, on va dire ton avis. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Caramel. Attends, bouge pas. Wow. Ah non, c'est du spéculoos. Goûte-la bien et tu me dis. Le mec, il m'a dit c'est incroyable, mais vrai. Ah, oh là, elle est bonne. Ah ouais? Elle est vraiment bonne. Tu mets combien sur 10? Un petit 8. 8 sur 10, déjà, donc c'est celle-là, si vous voulez. Elle coûte 4 euros le paquet, hein. Mais ça, il a validé. Voilà, moi, je suis pas un forceur.
A few moments later. Les gars, Issa est rentré. Yes, je vais pouvoir manger tout seul. Je suis en train de faire des mini pizzas. J'ai vu une tata sur Facebook. Elle a montré cette recette. En mode, t'as du pain à tacos. Tu fais des petits emporte-pièces. Regardez tout ce que j'ai fait là. J'ai fait en forme de cœur, en forme d'étoile, en forme de petit sapin bizarre. Et dedans, on va faire des mini pizzas. C'est-à-dire, on va mettre de la crème un peu partout comme ça. Genre, j'en fais juste un, après, je ferai tous les autres. Un peu de crème. C'est tout simple, hein. De la viande, des champignons. Et on rajoute du bon gruyère. Allez, frère, je vais préparer les pizzas et on se retrouve pour la dégustation. Regardez comme je suis trop fort. Et Yacine, descends, tu vas péter un câble. Tomates cerises, mini tacos. Ensuite, là, je vous présenterai ce que c'est. Mini pizza et mini pastèque. Là, j'étais obligé de me les refaire. J'ai découvert un vrai bail pour la vidéo. Les mini tacos, c'est vraiment super classe. C'est léger. Pour éviter le gaspillage, quand j'ai fait les petites pizzas, il me restait des mini tacos. Donc, je les ai mis dans le four. Et en mode, ça va me faire quoi? Je vais mettre de la sauce barbecue. Comme ça. Ça va me faire des pains. C'est-à-dire que je prends de la viande, des champignons, comme ça. Tu manges comme ça. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Je pense que j'ai super bien relevé le défi pour les mini et les maxi. Ah ouais, je suis un ouf. J'ai oublié. La mini pastèque. Ça, j'ai découvert ça pendant le ramadan. Enfin, je pensais que les pastèques étaient dégueulasses. Mais c'est trop trop bon, similaire. Franchement, testé. Il y a du bon. J'ai l'air du bon sucre, de la bonne eau. Et merde. Bon, moi, je vais vous laisser à la famille. Proposez d'autres 24 heures dans les commentaires. Ciao, ciao.